tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le meilleur deck pour le défi Buisson Louche. Dans ce défi, vous n'avez pas de pompe, par contre, il y a 6 buissons suspicieux qui sont inactifs au milieu de la map. Et dès que tu as une troupe à toi qui passe dessus, et bah, il va attaquer pour toi. Et franchement, le défi est assez fun. Et parfois, il y a un buisson qui fait spawn dans un pied. Alors, je sais pas si c'est voulu de la part de Supercell ou pas, mais du coup, ça rend les games assez fun et assez rapide. Du coup, on passe directement sur la scène de jeu. Bon, comme d'habitude, il faut faire 12 victoires pour récupérer toutes les récompenses. Donc vous avez pas mal de jetons de saison à récupérer et bien sûr deux éléments de bannière. Donc n'oubliez pas les jetons de saison, il faut les utiliser dans cette petite boutique de saison. Voilà, fragment joker, le livre épique à acheter également que je vais acheter. J'aurais peut-être dû transformer avant mais c'est pas très grave. Et bien sûr les fragments de l'évolution, donc 3 à acheter, 5000, 10000 et 15000. Hop, on part pas directement dans la première game, il faut quand même que je vous montre le deck. Le deck ça va être Sapeur Evo avec le néant, sorcière, boule de feu, mamie sorcière, esprit de feu, esprit de glace et esprit électrique. En vrai le néant, je pense que le néant tu peux un petit peu le modif et mettre potentiellement des flèches. Ça peut être intéressant pour contrer les troupes adverses. Mais le néant n'est pas déconnant si tu tombes contre sorcière ou contre mamie sorcière, c'est bien de l'avoir. Mais du coup tous les esprits vont permettre d'activer les buissons très rapidement et les sapeurs également. Dans tous les cas vous allez voir, le gameplay est assez facile à comprendre. On enchaîne directement sur la première game. Allez, on est parti du coup les potes sur cette première game. Bam bam bam, ça part direct, sinon on va se faire avoir. Bah voilà, je suis pas été assez rapide, on va pas tout activer. Ok, par contre pas mal, ma mamie sorcière là qui a bien défendu. Ça fait plaisir. Donc on va mettre une sorcière aussi pour défendre un peu. Je vais mettre le néant sur l'arty dès que je peux. Oui, là il m'a mis sorcière aussi, donc c'est pas déconnant tu vois d'avoir des sorts comme la boule de feu notamment. Déjà on va mettre le néant pour aller activer ça. Je vais mettre boule de feu soon parce que sinon la mamie sorcière va un peu trop nous embêter. Voilà, c'est pas mal. Comme c'est qu'elle a fait spawn un peu des cochons, du coup ça nous embête. Mais regardez les dégâts qu'on met sous la tour. Oh merde, j'avais pas vu le buisson à gauche moi. Je n'avais pas vu le buisson à gauche. On va essayer de défendre la mamie sorcière, ça m'a l'air pas trop mal. Je pourrais pas activer tous les... Après je crois que je vais tuer son buisson avec l'esprit électrique là. Ouais, ça c'est l'avantage de l'esprit électrique là. Je sais pas si vous avez vu mais ça nous a permis de tuer très facilement. Hop, nice. On va aller boule de feu encore une fois la même sorcière. Alors vous avez vu le gameplay commence à vite. Hein. J'ai déjà pris 2 tours. Moi c'est dommage, il n'y a pas de zappy qu'on spawn. Mais normalement la game est déjà win, non, quasiment. Il y a deux. Oh, dommage la Valkyrie qui revient quand même. Ah, oh, j'ai assez. On voyait les sapeurs un poil trop tôt. Attendez, parce qu'en vrai de vrai, j'ai dit que c'était win. Mais après, on a les sapeurs qui vont connecter à la tour. On a le petit truc qui tape. Ok. Attendez, parce qu'on n'a pas gagné la game en fait. Hein. On n'a pas encore gagné cette game. Il faudra juste pas qu'on perde 2 tours. Et normalement, ça devrait aller quand même. Et attention, attends, parce qu'il y a encore du monde. Hein. Il y a la Valkyrie qui va tanker là. Attendez, en vrai de vrai. Je vous assure qu'en vrai, on n'est pas si bien que ça. Hein. Je peux pas finir les tours là. Hein. En vrai, je vais néant là-bas. Oh, normalement, la game est censée être assez rapide. Je pensais qu'on allait prendre la tour du roi un peu plus facilement. On n'a pas réussi à la faire tomber. Après, normalement, la prochain push, ça devrait être bon. Avec boule de feu plus néant. Oh, il n'y aura même pas besoin du néant parfait. On va envoyer la boule de feu, on s'est fait un petit peu peur mais ça va, ça passe. Bon normalement on est censé prendre la game plus vite là. J'ai pas fait attention à sa tour du roi. Mais vous avez vu, on s'en sort plutôt bien. Avec les doubles sorts pour aller gérer les troupes adverses. La Valkyrie nous a un petit peu embêté. Mais malgré ça, victoire très facile. Hop, on récupère ça, on enchaîne directement. Je vous dis, ça va aller très vite. Hein. La vidéo va pas durer 25 minutes, ça c'est une certitude. Le défi est très 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 rapide. Attendez, faut que je me dépêche. Tac tac tac. Nice. Parfait, ça j'active, c'est vraiment cool pour le coup. Hop, on va essayer d'envoyer l'esprit électrique tout droit. Comme ça on active les deux. Allez! Oh, c'était à deux autres pas activer les deux. Enfin, ça a pas activé les deux en vrai. Hein. Oh, je me suis un peu volé là-dessus. Ok, on va activer ça. Je pense que je vais pas défendre le sien en vrai. Oh, c'est peut-être avec esprit lec. En vrai, je vais pas le def. Hein. Je vais pas le def, je vais plutôt aller activer. Non, ah, mais je crois qu'il va aller. Ouais, il va sauter malheureusement. Allez, mais ça peut en premier, mais ça peut en premier, mais ça peut en premier. Nice! Oh, de quoi? Wesh! Wesh, les zappies qui. Wesh, il y a deux zappies qu'on spawn. Je vous l'ai dit, des fois, il y a des zappies qui spawn. Là, ce qui est fou, c'est que ça a activé les deux en même temps. Ok. Bon, c'est pas mal, ça change un peu le défi. C'est un peu fun en vrai, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien l'ensemble. Enfin, l'idée. Attendez, parce que là, il va y avoir du monde quand même. Je peux pas tout défendre, ça va être dur. Donc, je m'en sors bien, mais. Oh là, oh là là, oh la def. Oh la def. Ouais, je vais prendre quand même des dégâts. Je vais prendre quand même des dégâts, je suis un peu obligé.
Après, on prend tous les buissons là. Ou alors là, frérot, là, GLHF pour défendre le ref. Hein. Là, les sapeurs évo, il y a un Zappi qui a spawn. Alors là, frérot, bonne chance pour défendre. Voilà. Là, il peut pas def le ref. Impossible. Bien joué. Bah, merci, mon ref. J'ai pas fait grand chose et j'ai fait que défendre finalement. Vous avez vu, on a bien défendu avec les esprits. Je trouve que cette version est plutôt pas mal. Sincèrement, je la trouve vraiment bien pour le coup. C'est pas la. En termes de taux d'utilisation sur Royal Api, c'est pas la plus jouée. Mais en termes de winrate, c'est la meilleure. Et je trouve qu'il y a un bon feeling avec les esprits, même sur la défense. Vous voyez, des fois, je me fais un peu déborder, mais avec les esprits, quand tu les times bien, en fait, tu peux tuer les deux petits gobelins qui sortent du buisson suspicieux tout en activant le deuxième buisson. Comme ça, au moins, tu les défends également et ça va. Enfin, c'est un peu plus simple. En vrai, j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop, on part sur la game suivante. Cette fois-ci, on ira. Si on gagne, on récupère le premier élément de bannière. Bon, c'est dommage quand j'ai pas les esprits dans la main directe parce que bah on perd un peu de. On perd un peu de. Mais c'est pas grave, regardez-moi ça, l'esprit électrique. Alors, le taf de l'esprit. Le taf de l'esprit, magnifique. Moi, je suis un peu late juste sur les. Mais ça devrait le faire quand même. On va aller boule de feu la même instant. Pour gratter un maximum de dégâts. Ok, le Zappi qui spawn. On va essayer d'activer quand même le buisson chez nous. Nice, c'est chose faite. On va essayer d'activer l'autre sur le côté. C'est chose faite également. Le Zappi qui va rester en vie. On a un seul buisson suspicieux adverse à défendre. Ça devrait aller. On a un esprit électrique pour le faire. Lui, il a un Zappi à défendre. Une sorcière. Hop, nice. On va aller néant tout simplement. On va aller néant ça. On se fait plus one shot au néant, mais dans tous les cas, elle meurt quand même. On va activer les petits buissons là-dessus. Attention, il y a du monde qui arrive quand même. Il y a quand même beaucoup de monde là. Il y a quand même beaucoup de monde. La mi-sorcière qui défend. Mais on va perdre la tour. On est obligé de la perdre celle-ci. Je peux pas faire autrement. Alors c'est lui qui a récupéré les deux buissons sur le côté droit. C'est pas dégueu. Après on a une mi-sorcière qui est horrible pour lui à défendre. Les sapeurs Evo qui vont aller prendre la tour. Il y a des squelettes Evo qui... Oh, alors là frérot, la game va ressembler à rien. Oh, la game va tellement ressembler à rien. Oh, la game va tellement ressembler à rien. Oh, attendez, je mets une deuxième mamie sorcière au cas où. Oh, la game va... Attendez, bon, on prend la tour. Ouais, on va prendre la tour parce qu'en fait, regardez les petits gobelins qui sont tankés par les cochons de la mamie sorcière qui spawnent indéfiniment vu qu'il y a, bah, y a des squelettes Evo. Et ça nous permet encore une fois d'aller chercher la victoire. Est-ce que vous comprenez quelque chose de gameplay? Non, j'ai l'impression de jouer à Squad Buster. Genre, c'est la même chose. Tu comprends rien à ce qui se passe, mais tu prends les games. Mais c'est fun, je vous dis, c'est fun de temps en temps, tu vois, ce genre de défi, ça fait plaisir, ça fait poser le cerveau. C'est des récompenses gratos, c'est au moins on se prend pas la tête, tu peux lancer des games très rapidement parce que les games sont rapides. Ça fait plaisir. Attendez, je vais essayer d'être rapide. Bam, bam, bam. Ok, rapide. Ok, nice, parfait, j'ai tout pris. Ah, quasiment tout pris, enfin tout ce que je pouvais en tout cas. What? Hein? Je le zappie, chef? Et il a bien défendu le Zappi. Il prend quand même un coup là-dessus. Bah, ça coûte cher ça. Et il va prendre les deux. Non, il va pas prendre les deux parce que le Zappi va pouvoir gérer. Ah, s'il prend les deux. Ok, c'est un peu chiant ça pour le coup. Après, le Zappi regarde à droite. Oh, regarde à gauche. Non, mais frère, je peux même pas suivre. Non, mais là, on prend encore deux tours. Non, mais s'il vous plaît, ça va trop vite, les potes. J'ai envie de jouer quand même. Genre, j'aimerais bien jouer au jeu quand même en vrai, s'il vous plaît. J'aimerais bien jouer au jeu en vrai, l'équipe. Parfait. Non, mais là, il s'est encore perdu pour lui. Hein. Là, il peut encore rien faire. Hein. Bon, il y a trois buissons là déjà qui arrivent. Il y a deux sapeurs Evo sur la tour. Il y a de même une sorcière. Non, c'est impossible. Gros, c'est déjà perdu là. Oh, ça va trop vite. Parfait, on va activer celui-là. Hop, mais j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des petits zappis qui spawn. Je trouve que ça, ça change un petit peu des fois le cours de la game. C'est assez marrant. Et je crois que c'est la première fois que j'avais quand même deux zappis qui spawn au milieu. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais. Et alors, deux zappis qui spawn comme ça, ça fait plaisir. Hop, on enchaîne. 9ème victoire. Toujours pas de défaite, on arrive toujours à bien défendre, nous ça fait plaisir. Attendez, hop, on va jouer vite. Hop, on va boule de feu là-dessus. Nice. Ok, canonnier là dans la game. Bon, je suis pas convaincu du bail pour le coup là. Okay, il y a du monde, ouais, il a tout pris là. Là, ça va être dur à défendre. Là, il a tout pris. Là, pour le coup, il a vraiment tout pris. Voilà, oh, ça va être dur à défendre. Là, je défends pas. Là, malheureusement, les potes, il a tout pris. Il a vraiment eu le meilleur timing ever. Je sais pas s'il connaît le timing, mais s'il le connaît, bien joué lui. Parce que là, je pouvais pas défendre. J'avais plus rien dans la main. J'avais plus d'Elex. What? Mon esprit électrique, il s'est pas mis. FF.
Ah, c'est loose. C'est loose, première défaite. Bon, alors là, les potes, il m'a littéralement détruit. Il a eu vraiment le meilleur timing ever pour le coup. Il a vraiment eu le meilleur timing sur les esprits, sur les sapeurs. Donc, il a pris tous les buissons de la map. Et là, défendre, c'est un peu trop compliqué. Bien joué. Il est mode quand même dans un défi fun, les potes. Est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point la communauté de ce jeu est quand même ultra toxique? Genre, il BM sur un défi fun. Bah, police profil, du coup, hein, je suis désolé, mais. Voilà, ça. Bon, je vais pas. Voilà quoi, mais bon, voilà. 1683 des lots. Vous allez me dire, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent les émotes qu'ils veulent, mais frérot, dans un défi fun, BM sur une game comme ça, s'il te plaît, frérot, genre, s'il te plaît. T'as pas gagné la coupe du monde quoi, tranquille. Aïe. Quelle tristesse. Mais bon, que voulez-vous, c'est le jeu. Hop, cette fois-ci c'est à moi de prendre tous les buissons. Ça bon, c'est favori une fois, on sera pas à voir deux fois. Hop, nickel. Bon, c'est dommage parce qu'à droite les chauves-souris vont faire une bonne value. Bon, attention parce que le counter pêche en vrai. Oh, y a pas grand-chose en vrai. Ouais, là même qui est la sorcière qui va taper en zone, qui va tuer le buisson, c'est pas mal. On va tuer le gobelin Sarbacane, c'est cool. Ça serait bien que tu tapes derrière toi, Soret. Nice, parfait. Ok, c'est pas horrible cette fois-ci, on est pas trop mal. J'ai pas trop envie de défendre du buisson à gauche. Bon, je vais prendre beaucoup de dégâts, mais j'ai envie de tuer sa mamie sorcière. Sinon, elle va faire spawn beaucoup trop de trucs. Voilà, on assume beaucoup de dégâts, mais il fallait absolument que j'aille chercher. Oh, par contre, on a deux zappies. Hein? Trois zappies. Non, mais gros, c'est trop bien ce mode. Ah oh, oui, d'accord, mais frère, tu veux qu'il fasse quoi? J'ai trois zappies. Mais comment ça, il y a trois. Bah, je suis désolé, mon ref. Tu vois, je vais pas le BM, le pauvre là. Gros, il s'est passé quoi dans la game? Comment ça, j'ai 3 appuis sur le terrain? Hein? Mais comment c'est possible qu'il y ait 3? Attendez, mais j'ai pas capté. Comment ça, il y a eu 3 appuis? Mais 1, je veux bien, mais 3 appuis? C'est quoi cet aléatoire de fou? Il y a eu un zappi. Ah, oui, d'accord. En fait, il y a un zappi qui a spawn et sur le timing là, il y a deux autres buissons qui sont apparus au milieu et c'était deux autres zappis également. Ah ouais, le pauvre là, frérot, il a rien pu faire de la game. Je suis désolé pour lui. Hop. Ah, c'est dommage, la mue sorcière qui va tomber. J'ai essayé de la mettre tôt, mais. Parce que généralement, ils mettent des petites troupes genre au mid pour counter ça, mais là, il avait un golem de glace MDR. Malheureusement, ça m'a un peu perturbé. C'est que du coup je peux pas contrer. Aïe, ça sent pas bon encore une fois. Mais en fait c'est dommage parce que j'essaye de pré-shot. Mais en fait ils ont jamais tous le même deck. Le mec me joue au golem de glace. Je peux pas m'attendre au golem de glace en fait l'équipe. Genre je m'attends à tout sauf au golem de glace. Je m'attends à tout sauf au golem de glace en fait pour le coup. On va essayer de def mais ça va être dur là hein, pour le coup. Après on peut encore prendre la game je pense hein. Oh, ça m'a l'air compliqué quand même hein. Ça m'a l'air compliqué de prendre cette game maintenant. Surtout que je vais être obligé d'assumer des dégâts là sur le buisson. À moins que. Ouais j'assume un peu quand même. Après il y a pas mal de petits buissons qui vont spawn. Je vais essayer de pré-shot les prochains. Allez, spawn. Ah frère, ils veulent pas spawn. Même, ils veulent pas spawn, chef. Oh, ils tombent, nice. Je crois on peut les défendre plus facilement, ça fait plaisir. Nice, ok. C'est pas horrible ce qu'on arrive à faire pour l'instant. Le problème c'est que là ma tour du roi frérot. Allez, faut y aller. La game de fou furieux c'est maintenant. Non, il finit. Non, putain, mais gros, deuxième défaite. Mais tout ça parce qu'en fait j'ai voulu pré-shot le. Mais c'est le deuxième qui nous BM. Mais. Non mais en vrai, premier degré, genre, why, frère, mais pourquoi en fait, genre?
Police profil, hein, je suis désolé, hein, dès que vous me mettez des émotes, frérot, c'est police profil instant, hein, je vous affiche, hein, y a aucun problème. Hein. Ah oui, effectivement, effectivement, c'est pas un gros compte, je pense que c'est un petit joueur free-to-play qui est content de faire sa petite victoire dans le défi. Dans un défi assez fun, en vrai. Le défi est marrant, hein, je comprends pas pourquoi les gens BM, frère. Hein. En vrai, je m'en fous, moi, de perdre, hein, les potes, hein, c'est juste marrant de fou. Hein. On comprend pas ce qui se passe, on joue juste, on s'en fout des défaites. Je comprends pas pourquoi les gens veulent pas jouer fun. Et jouer sans mettre des émotes dès qu'ils font une victoire. Après, je pense qu'ils en font tellement peu que je peux un peu comprendre le concept. Donc on va essayer de pré-shot cette fois-ci en partant un peu plus loin parce que depuis tout à l'heure on se fait un peu avoir. Non mais là frérot il spawn plus vite que tout à l'heure, c'est pas possible. Après j'avoue que depuis tout à l'heure j'ai pas analysé parce que je pense que si on regardait le timer en haut à droite. Après est-ce que c'est pas en fonction du moment où tu prends le buisson. Genre après il spawn au bout de... Bah non parce que tout à l'heure on a pris le zappy instant. Non je pense qu'il y a un timer qui est prédéfini. J'avoue que j'ai pas regardé le timer. Vous allez me dire dans les commentaires, mais ouais, il fallait regarder le timer, j'avoue que j'ai pas du tout regardé. Peut-être que j'aurais dû regarder le timer aussi. Hop, mais en tout cas, là, cette fois-ci, game beaucoup plus rapide. Voyons, BM pas, c'est pas grave, les potes, non, on gagne la game, le pauvre, il a rien compris à ce qui s'est passé, boum, on enchaîne, c'est pas grave. On met pas des émotes dès qu'on gagne une game. Ouais, je vais être un peu late, on va défendre du coup. Nice, oh, alors là, ça fait plaisir quand ça défend comme ça, frère. Oh là là, quel régal. Quel régal quand ça défend comme ça. Alors là, frérot, j'ai la chef en vrai. On va essayer de pré-shot de loin. Bon, alors là, je suis pas mal. Ouais, c'était 2 minutes 33, je crois, les deuxièmes spawns, si j'ai pas de bêtises. Je crois que, ouais, si j'ai pas de bêtises, c'était 2 minutes 33 le deuxième spawn. Bon, j'ai un peu raté l'artificier encore une fois. Ok, le petit gobelin qui va 1v1 le zappy, ça fait plaisir. Il veut me mettre un coup, mais c'est pas dramatique. Il essaie de pré-shot, c'est bien joué de sa part. Oups. Oups, attendez, parce que là, en vrai, j'ai un peu failli la boule de feu. Attendez, en vrai, parce que j'ai un peu failli la dev tout court, en vrai. Ouais, je vais être obligé de perdre la tour côté gauche. C'est pas dramatique. Je suis obligé, les potes. Allez, les buissons. Ah, les buissons qui spawnent pas. Ah, j'ai pas les timings, moi. Je suis vraiment un bot, hein. J'ai pas les timings encore. Ok. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde là. Bon, ça va quand même qui va bien nous gratter. Ouais, j'ai pas les timings, mes adversaires les ont. Non, non, là il l'a mis trop tôt. Ok, là il l'a bien mis par contre. Et ça met un peu de pression. Les boules de feu, ça m'a mis par contre, c'est important. Hop, on l'a tué. Ici on va défendre. Ça devrait activer le deuxième. Ah non, ça active pas le deuxième. Donc on prend quand même la tour. Bon, la game elle est laborieuse là pour le coup. Par rapport au game de tout à l'heure, là celle-ci elle est vraiment laborieuse. Hein. Ok. Moi je pensais que ça allait un peu plus vite, mais en fait les gens sur les games jouent un peu mieux quand même dans l'ensemble. Je vous dis, vu qu'ils ont les timings, ça change un peu la game. Et là je vais la perdre. Hein. Je vais encore la perdre, je crois. Hein. Oh, y a trop de monde, frère. What the fuck. Arrêtez ça. À l'aide. Gros, y'a trop de monde, frère. La game ressemble à rien. FF. Les sapeurs. Encore trop tôt. Ouais, faut vite que je cycle les sorts là. Nice, le néant qui fait plaisir. La mime sorcière qui fait plaisir, ok, on retourne cette game. Hein. Je préfère le dire, on retourne cette game. Hein. On retourne la game, frérot, il n'y a aucun problème, je vais retourner la game. Voilà, frérot, nice. Ok, belle game pour finir, très très belle game, bien tendue jusqu'au bout. Bien joué, frérot. Voilà, on va dire bien joué. J'ai bon, le défi en vrai, je vous assure qu'il est sacrément fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un défi où j'ai pris juste du plaisir à jouer, tu vois. Peu importe si je perds ou que je gagne, genre c'est marrant parce que tu peux vite enchaîner les victoires. Ouais, j'ai fait deux défaites. Les mecs ont BM, bon, après on s'en fout, tu vois. Tu fais ce que tu veux avec tes émotes encore une fois, mais je trouve que c'est assez marrant parce qu'en vrai ça va assez vite et il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Tu peux un peu jouer quand même ce que tu veux comme deck. Ouais, là j'ai joué ce deck là, je trouve que c'était plutôt pas mal. J'essaie aussi de pré-shot un petit peu les troupes de l'adversaire avec Mamie Sorcière, ça m'a coûté cher ça m'a coûté cher sur un timing, mais dans l'ensemble franchement le défi est assez marrant, j'aime bien, tu vois, ce genre de défi ça fait plaisir. On aura un défi d'ailleurs dans la saison où il faudra jouer 8 évolutions dans le même deck, pareil, ça va être assez fun et tout, mais ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Merci à Supercell pour ce petit défi des familles. Hop, on va récupérer le petit cube mystère
Et on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que vous allez quand même réussir à faire 12 victoires, mais normalement, il n'y a pas de grosses difficultés, je vous dis, vous enchaînez juste les games, et à un moment donné, ça va passer tout seul. Si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Wa, je vous fais des bisous, peace to one.